l'école de musique de Valognes vous présente dans le cadre du centenaire de la Grande Guerre sa création 14-18 Notes de guerre relatant l'histoire de Gustave Clembernon, poilu du territoire de Valognes, mobilisé le 4 août 1914. Tati Jeannette, viens voir. Non, mon chéri. J'ai plus le temps de jouer à cache-cache. J'ai beaucoup trop de choses à faire. Non, mais vraiment, Tati, viens voir. Qu'est-ce qu'il y a, mon chéri? T'as encore trouvé un vieux truc dans le grenier? Regarde ce que j'ai trouvé. C'est quoi? C'est vieux? C'est à qui? C'est à toi? Bah oui, c'est vieux. C'est l'uniforme de guerre de mon père, Gustave. Qui ça? Mon papa. Ton arrière-grand-oncle, Gustave. Mon papa. Waouh! Dis, Tati, raconte-moi, Gustave. Ordre de mobilisation générale. Par décret du président de la République, la mobilisation des armées de terre et de mer est ordonnée. Ainsi que la réquisition des animaux, voitures et harnais nécessaires au complément de ces armées. Le premier jour de la mobilisation est le dimanche 2 août 1914. Tout Français soumis aux obligations militaires doit, sous peine d'être puni avec toute la rigueur des lois, obéir aux prescriptions du fascicule de mobilisation
placé dans les pages coloriées de son livret. Sont visés par le présent ordre tous les hommes non présents sous les drapeaux et appartenant, premièrement, à l'armée de terre, y compris les troupes coloniales et les hommes des services auxiliaires. Deuxièmement, à l'armée de mer, y compris les inscrits maritimes et les armuriers de la marine. Les autorités civiles et militaires sont responsables de l'exécution du présent décret, signé de messieurs le ministre de la Guerre et le ministre de la Marine. Est instituteur comme moi, mais s'il est appelé, mais je ne vais jamais pouvoir tenir l'école toute seule. Mais un maître d'école, voyons, ben, ça fait pas la guerre, voyons. Allons, mes braves gens, ne vous désespérez pas avant d'en savoir plus. Cette mobilisation n'a peut-être pour but que d'intimider l'ennemi pour l'amener à la négociation. On en parle dans les journaux ces temps-ci. Rentrons calmement et attendons. Thank you.
je me souviens. Mes parents me réveillent tous ce matin-là. Ils sont bien tristes. Papa m'embrasse éperdument. Il a les larmes aux yeux. Maman reste digne, malgré l'angoisse que je peux voir dans son regard. Nous partons pour la gare. Le bisou entre mes parents me semble bien rapide. Papa monte dans un wagon. Le train s'ébranle, puis il s'éloigne. Nous voyons papa de loin en loin nous faire des signes d'adieu. Puis plus rien. Me voici séparée des miens. Pour combien de temps? Pour toujours, peut-être. Après de nombreux jours de voyage et d'attente, à travers toute la Normandie, nous arrivons au Havre le 28 août. En route, nous croisons des militaires anglais qui nous acclament. Notre camp sera basé à Rouel jusqu'au 4 octobre. Date où nous embarquons pour une destination inconnue. On parle de Boulogne, Calais, Dunkerque et même Ostende. L'après-midi est occupé en préparatifs de départ. J'ai l'impression maintenant que nous allons bientôt participer à la guerre. Nous irons certainement au feu. Monsieur le maire nous demande de faire preuve de courage et de dignité et de montrer à notre cher Gustave Cambernon que nous sommes tous avec lui. Nous connaissons tous le dévouement et le sens civique de notre instituteur Gustave. Il nous reviendra en héros, croyez-le bien. Oh, bon sang, si c'est le destin. Mais veillez bien sur mon Gustave, hein, et pensez à Jeanne, notre petite fille. Ah mais, et Robert, là, du un mot de la Valette, ben, et pourquoi que c'est pas lui qui part? Eh ben non, ben tout ça, ben c'est pas juste, hein. Non. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on va faire? De tristesse. Nous entrons enfin dans notre cabine. Je m'enveloppe dans ma capote et ne tarde pas à m'endormir. Non sans avoir pensé au mien, beaucoup à ma femme et à ma petite Jeanne. À 5h du matin, au réveil, je monte sur le pont. Des lumières m'apparaissent. C'est Dunkerque. C'est là que nous allons débarquer. Vers midi, nous apprenons que nous serons cantonnés à Rosendal.
C'est un village des Pays-Bas à 6 km de la frontière belge. Octobre. Nous approchons des affrontements. Le régiment contourne la ville et prend la route de Berg. Nous croisons des malheureux, avec des hommes, avec des cabas et des femmes portant des enfants en pleurs. Nous leur donnons quelques vivres de nos musettes. Ces pauvres malheureux nous font un bon accueil. Octobre. Nous prenons la route de la frontière belge. On nous crie « Vive la France! Vive la Belgique !» Nous sommes en marche pour le front. Les misères inhérentes à la guerre commencent pour moi et mes camarades. Eh bien, voilà, Monsieur Gustave est bien arrivé au front, mais il vient d'être fait prisonnier par les Allemands. Mais pourquoi qu'ils l'ont fait prisonnier? Mais il n'a jamais rien fait de mal, lui, du tout. Ah bien, nous en saurons probablement davantage dans son prochain courrier. Vraisemblablement, on va l'affecter dans une ferme pour travailler.
octobre. Notre lieu de cantonnement nous a rapprochés de Paschendaal. C'est en Belgique, à 20 km au nord de Tourcoing. Le canon tonne tout près. Il n'y a aucun doute, nous allons connaître le baptême du feu. Nos pièces qui tournent sans cesse font un bruit épouvantable. Les obus ennemis qui nous atteignent éclatent dans un vacarme assourdissant. Le soir, à la demande de mes supérieurs, j'établis l'état des pertes du régiment. Trois tués, 42 blessés et 5 disparus. Le 22 octobre, nous établissons notre camp dans une ferme appelée Ma Campagne, à Boessing, c'est à 10 km à l'ouest de Paschendaal. La bataille fait rage. L'ennemi avance et nos troupes battent en retraite. Il y a de nombreux blessés. 30 octobre. Chaque matin, les nouvelles arrivant de l'état-major nous font comprendre que nous avons des succès qui se superposent et que l'ennemi a quelques faiblesses. Comme chaque fin d'après-midi, je dresse la liste nominative des tués, blessés et disparus. Les journées sont longues, usantes. Nous espérons un petit succès, quelque chose, mais rien. Un seul mot d'ordre, tenir ! Le 4 novembre, dans l'après-midi, des projectiles viennent éclater dans les bois au-dessus de la ferme. Un obus explose le long du mur de la grange. Nous nous rendons compte que la ferme est de plus en plus explosée. Nous prenons conscience de cela. Le 4 novembre, le 8 novembre même, nous pensons qu'enfin nous allons être relevés, mais il n'en est rien. Le colonel nous dit, mais enfin, que voulez-vous que j'y fasse? Il faut tenir coûte que coûte. Le 9 novembre, la canonnade reprend dans l'après-midi, sans cesse. La maison tremble. Toute la nuit, ces bombardements incessants. Chose curieuse, nos pièces ne répondent pas, ne répondent plus. Je n'ai pas dormi. S'ils savaient. Si ma chère femme savait. 10 novembre. Les voilà. Les voilà. Les voilà. Les officiers ont disparu. Ils sont partis sans nous laisser d'ordre. Et les vitres qui volent en éclats. Je n'en peux plus. J'ai l'image de ma femme, ma fille, ma mère. Je leur souhaite un suprême adieu. Une fumée âcre envahit la maison. Come!
Germans, but we're not English, we're Scottish. So, das war ja ganz schön, aber jetzt gehen wir wieder zurück. Das ist ja nicht die Berliner Oper. Sie haben recht. Das hier ist besser als Berlin. Sérieux, c'est encore plus fort. Une réunion au sommet sur le Nomasland, puis on n'est même pas invité. Ça ferme, mon cher. C'est quoi ce bordel là? Good evening. Do you speak English? Yes, a little. Wonderful. We were talking about a ceasefire for Christmas Eve. What do you think? The outcome of this war won't be decided tonight. I don't think anyone would criticize us for laying down our rifles on Christmas Eve. Don't worry, it is just for tonight. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent venir foutre? Ils ont peut-être marre, les Allemands. Ça se trouve, ils veulent se rendre. Ça m'étonnerait. Angel, donne-moi une bouteille de champagne, mon cas. Christmas. Frohe Weihnachten. Frohe Noël.
monsieur le maire, qu'une bataille terrible se livre à Verdun. Oui, les journaux en parlent. Et je l'ai entendu dire en chair à la messe ce matin. À Verdun ? Ah ben, ça me dit vraiment quelque chose, ça. Ah ben oui, ça me revient. Eh ben, Honorine Blondel, là, eh ben, elle a reçu une lettre de son mari hier. Et dedans, eh ben, il y mettait que son régiment, il partait pour Verdun, là. Mais si on en savait où que ça se trouve, ça. Hein? C'est bien inquiétant pour ce pauvre Édouard. Je devrais me réjouir de savoir mon Gustave prisonnier, donc moins exposé. Mais quand je pense à tous les autres, dans les tranchées, sous les obus... Mais à ce qu'on disait ce matin au marché de Barneville, c'est l'hécatombe. Ils ne peuvent même plus compter les morts. Et Albert de Tellier du bas du bourg, il est là-bas aussi. Oui, j'avoue que les événements prennent un tour bien peu réjouissant. Que Dieu et la Sainte Vierge nous viennent en aide. Allez, venez, c'est l'heure de la grande. Et même Albert, ils sont tous partis là. On n'a jamais vu ça. On est tous seuls. « 17 novembre 1914, début de la guerre de position. Elle durera jusqu'à l'été 1918. 1916, l'opinion publique et le monde politique s'impatientent d'une guerre qui dure depuis près de 2 ans, coûteuse. Qui ne semble pas trouver d'issue. Les Allemands préparent une attaque massive dans le secteur de Verdun. Ce sera la plus grande et la plus destructrice bataille de la Grande Guerre. Thank you.
conditions de vie sont épouvantables. Les combats atroces et des pertes considérables. 300 000 morts. 500 000 blessés graves. Cette attaque est un échec. Le chemin des dames. Le général Nivelle préconise une attaque de grande envergure. Le secteur choisi est le chemin des dames en Champagne. Le plateau de Craon, où se situe le chemin des dames, est occupé par les Allemands depuis l'automne 1914. Quand au bout de 8 jours, l'heure pour terminer, on va reprendre les tranchées. Notre place est si utile que sans nous on prend la pile. Mais c'est bien fini, on en a assez, personne ne veut plus marcher. Et le cœur bien gros comme dans un sanglot, on dit adieu au sifflot. Même sans tambour, même sans trompette, on s'en va là-haut en baissant la tête. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours, de cette guerre infâme. C'est à Craon, sur le plateau, qu'on doit laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés, c'est nous les sacrifiés. 8 jours de tranchée, messieurs-là, ce que...
cette bataille sera aussi un échec sanglant. 40 000 morts chez les Français le premier jour. Une partie des soldats se rebelle et se mutine lors de cette boucherie. Le général Pétain remplace le général Nivelle. Et il renonce aux attaques massives en attendant les chars et les Américains. Il améliore la vie quotidienne des combattants. Mais il traduira les soi-disant meneurs de mutinerie devant les tribunaux militaires. Mais à présent, nous avons toutes les raisons d'espérer. D'après les journaux, les Américains arrivent en renfort pour nous aider. Pour l'instant, ils ne sont que quelques centaines débarqués. Mais on dit que ce n'est qu'un début. Mais c'est vrai qu'ils seront des milliers? Tout le laisse à penser. D'après les journaux, de nombreux navires sont sur le point d'appareiller avec des milliers de soldats à leur bord. Oh, ne perdons pas espoir et allons prier. Pour eux et pour les nôtres. Ça va être fini. Ce sera la dernière. Ce sera la dernière. La sphère des nerfs. Soyez. Les États-Unis déclarent la guerre à l'Allemagne le 2 avril 1917, après que le gouvernement allemand annonce la guerre à outrance sous-marine. C'est la menace de trop pour les Américains par rapport à leur commerce extérieur et à la liberté de navigation. En juillet 1918, près de 2 millions de soldats américains, les Samis, auront débarqué sur le sol de France. Thank you.
1918. Les combats ont lieu en Champagne dans une violence indescriptible. C'est la dernière attaque possible pour les Allemands pour percer le front. Mais les armées américaines et françaises la repoussent. Les Samizes arrivent maintenant par groupe de 30 000 soldats par mois sur le front des attaques. À partir du 8 août, les armées alliées attaquent sur l'ensemble des fronts. La retraite allemande est lente, mais elle est réelle. Début novembre, une révolution du peuple allemand éclate à Berlin. Guillaume II, empereur, est obligé d'abdiquer et s'exile en Hollande. Le 7 novembre 1918, sur l'ordre de son capitaine L'Huillier, le caporal Pierre Sellier est le premier du 171e régiment d'infanterie de Belfort à sonner le cessez-le-feu sur le front d'attaque. Le 11 novembre, comme des centaines d'autres clairons, il sonne l'armistice sur tous les fronts. Ont rempli la tâche que leur avait confiée la patrie.
tantôt, supportant avec une énergie indomptable les assauts de l'ennemi, tantôt attaquant elles-mêmes et forçant la victoire, elles ont, après une offensive décisive de 4 mois, bousculé, battu en brèche et jeté hors de France la puissante armée allemande et l'ont contrainte à demander la paix. Toutes les conditions exigées pour la suspension des hostilités ayant été acceptées par l'ennemi, l'armistice est entré en vigueur ce matin à 11h. L'armistice est signé à 5h10, mais le cessez-le-feu est effectif à 11h, le 11 novembre 1918. Il entraîne dans l'ensemble du pays des volées de cloches et des sonneries de clairons, annonçant la fin d'une guerre qui aura duré plus de 1560 jours, fait plus de 18 millions de morts et 6 millions de blessés. Thank you.
chacun su comme il était bon de vivre maintenant. Sifflez, bourreaux des âmes innocentes et perdues, dans des champs et des forêts qui n'en sont plus. Gueules cassées, tranchées, artillées, pertes humaines, galles, mutineries. Voici le rôle des embryons du massacre sur le sublime échiquier du désastre. Thank you.
Nous avons eu au cours de ce spectacle apprécié notre petit poilu présentateur, Matteo Kadim. Théâtrale Valmeniez, les Sacres Bleus, avec Jean-Marie Varin dans le rôle du garde champêtre, François Durand, Mireille Bruno de la Salle, Patricia Valin et Philippe Tidou. Les musiques originales de ce spectacle ont été écrites en collaboration avec mon ami toujours Olivier Lecoeur. Monsieur Yves Mongol, qui a mis aussi à disposition sa collection d'effets personnels de guerre pour la décoration de ce spectacle de ce soir. Mon ami chanteur baryton Francis Poré, que vous avez apprécié dans la chanson de Traor. La chorale de 40 ans, la Quarantaine, pour son partenariat avec l'ensemble vocal de l'école de musique de Valagne. Et là, je tiens vraiment un énorme tonnerre d'applaudissements aux professeurs et aux élèves investis sur ce projet avec moi depuis 3 ans. Et enfin, dans celui de Gustave Cambernon, Monsieur Gérard Picot. À l'écriture, à la réalisation, à la conception, à l'idée, à la direction, Monsieur Philippe Chevroux.
vous remets le manuscrit dédicacé par tous les participants. Merci à vous. Les mots sont sûrement superflus après un spectacle de cette qualité, mais je voulais vous dire, Philippe Chevroux, avec beaucoup de solennité, que nous aussi nous sommes très fiers d'avoir une école de musique comme celle de Valognes, vraiment très très fiers. Nous sommes aussi conscients de la chance que nous avons. Vous savez, je crois qu'il y a trois facteurs importants dans la vie. Il y a le talent, il y a le travail et il y a la chance. Eh bien, Philippe Chevroux et tous ceux qui l'entourent ont le talent et le travail, et nous, nous avons la chance de les avoir. Et je vous applaudis encore ce soir. Merci à tous.